Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Preacher, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la map Mob of the Dead sur l'île d'Alcatraz pour faire un zombie découverte que j'avais prévu de vous faire plus tôt. Mais le problème c'est que j'ai recommencé cette fois, ça tout le temps foire, donc je me suis dit je vais faire un truc plus fun en compagnie de Margaret. Margaret, comment vas-tu? Salut, bah ça va et toi? Et doucement pour la voile parce que... ouais, j'allais plus doucement. Donc moi ça va, mis à part mon allergie au pollen, donc je tiens à vous prévenir que vous risquez d'entendre beaucoup de... Enfin, des éléphants qui se mouchent et tout, c'est moi, vous inquiétez pas. Faut pas vous en faire. Donc, on fait cette petite vidéo en découverte, je pense qu'elle a déjà été faite, mais nous, on va essayer de découvrir en même temps vous et d'approfondir un peu plus. On va vous expliquer 2-3 choses que vous, peut-être, vous ne savez pas. Si vous, vous savez des choses que nous ne savons pas, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, pour commencer, on arrive en mode spectre. Le spectre qui nous suit toute la partie. Le but étant ça. De se réanimer. Il y a des endroits marqués sur une carte de la prison. Plein de choses. Il ça sert à... Je suis sale. Non, je suis pas sale, mais je suis sale le perso. Écrit ça. Donc le spectre, vous l'activez avec des boîtiers rouges comme ça, qui vont vous permettre d'activer d'autres boîtiers que je vous montrerai par la suite. Et le spectre, en fait, c'est un peu comme un kiki. Vous mourrez, vous pouvez vous réanimer, mais vous avez le droit de le faire qu'une seule fois. Vous avez qu'un seul spectre par partie. Le spectre à utiliser avec parcimonie, si je puis dire, car c'est vraiment super utile. En gros, il va vous servir à aller dans des passages secrets pour activer des pièges, ouvrir des passages, activer des atouts. Des atouts qui sont en très grand nombre, d'après ce que j'ai vu. Il y a un endroit où on avait vu 3 atouts juste avant. Les spectres, franchement, ça active. C'est ce qu'il y a de plus utile, donc c'est pas à gâcher. Quoi. Donc, quand on meurt. Nous ne perdons pas l'atout. Enfin, nous perdons les atouts, même si on a le spectre. Il y a plusieurs, vous voyez, objets de quête. D'accord. Oh, recette. Donc, il y a un avion à fabriquer. Il y a un avion. Il y a une clé. Qu'on doit récupérer. Et un bouclier. Donc, je sais pas trop à quoi. Si on a un avion, je sais pas si ça met fin aux zombies qu'on s'échappe de l'île. Ou alors si tout simplement ça tape des barres genre en volant sur l'île et calarmant tous les zombies qu'on voit. Je sais pas du tout à quoi ça va servir. Ou alors ça sert juste comme j'espère que ça va être une décoration. Ouais bah là ça la fout très mal, c'est le mec qui passe 2 heures à fabriquer l'avion. Merde les gars j'ai l'avion, je c'est bon, on va réussir. Les gars je suis dans l'avion mais les zombies sont en bouffer là. Non à mon avis s'il y a un avion c'est que ça va servir à quelque chose. Parce que regarde il y a marqué quête, objet de quête, recette. Donc, il y a plus de... Bah, il est super bien ce zombie, niveau map, tout ça je kiffe moi personnellement. Bon on va vous montrer la petite technique pour aller directement à Mastelonte. Bon je vous déblatère tout ce que j'ai à dire tout de suite, comme ça après j'avance au fil en même temps que vous et Mac Garrett. Donc là en gros je vous dis le max possible parce qu'après en fait la concentration il la faut à max parce que ça fait 3 fois qu'on recommence et 3 fois qu'on se fait plumer. Bon on atteint la manche 14, ce qui est plutôt pas mal. Mais plutôt dégueu quand même. Mais je pense que ça fait comme tous les amis, c'est pas l'adaptation, d'apprendre la map. Donc quand vous êtes en spectre ou autre chose que je voulais vous le dire, vous avez un certain temps avant de... Le cœur du spectre, en fait, le spectre voulait pas... Merde, c'est carrément dingue. Comme vous l'avez dit, j'ai pas de plan. Vous êtes mouru. Et là, ça la fout mal pour ses coéquipiers. Mais le spectre peut être utilisé par exemple quand on est dans une grosse cascade. Allez, on va faire un peu de bricolage. Par exemple, le spectre. J'ai pas été assez clair. Comme ça, ça permet à vos potes de survivre, mais c'est assez risqué quand même. Quand on est à deux, vaut mieux pas le faire. Hey, on voit le pont de San Francisco. Où ça va? Là, viens voir. Oui, parce qu'Alcatraz est à San Francisco, hein, dans la baie. Regarde là-bas dans la brume. Ah ouais. Voilà, zombie au poste. Bon, faut savoir aussi que les gens autour de cette île ils font des feux d'artifice. Je pense que c'est pour fêter notre évasion, un truc dans le genre. On est en mode mission Alcatraz là, ça me rappelle un film, je sais plus quel film. Alors, petite téchenique, tu viens ma quéquette? Attends. On va ouvrir la porte qui te fait tellement chier. La porte à 3000 ou à 2000 là? 2000, ouais. Pour aller à Mastodon. Et à la Thompson. La Thompson. L'arme de tous mes rêves. Oh et... Merde, bon je remonte. Bah ouvre la porte, hein, je te suis. Je me transforme en spectre pour leur montrer comment ça s'active et pour aussi nous sauver le cul. Alors voilà.
Vous avez des petits écriteaux sur les murs écrits du sang, c'est assez sympathique, c'est accueillant. Vous vous transformez en spectre ainsi que cela. J'ai lâché ma stase pour écouter ça, mais c'est super cool. Vous allez voter comme ça. Vous appuyez sur la touche RT, balancez une décharge, le truc se réanime automatiquement. Bon, par contre, pas faire coup. Bon, il y a pas mal de trucs comme ça. Vous venez à moitié quand vous êtes en spectre. Il en veut plus! Vous avez vu ces espèces de passages? Je sais pas, c'est 5 ou 6 manches. Moi, c'est un peu comme les golems ou les chiens, ça arrive dans les 5 ou 6 manches. Voir 7. Il y a un super zombie qui arrive, c'est un gros maton. Pour le tuer, faut tirer dans la tête, on s'en est aperçu après. Et ce gros maton, il fait bien chier. En plus, je pensais que c'était lui qui donnait la clé du gardien, mais finalement, c'est pas lui. Bon, ma Gareth, le bus va partir. Allez, on se dépêche, go. Oh, j'aurais préféré couper la tête. Faut qu'on remette cette nacelle en marche. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu ce qu'il a dit, mon perso, parce que j'ai pas le son. Mais elle est déjà en marche, c'est ça ce que j'ai pas compris. Ah, c'est peut-être les moteurs, mec. Les moteurs. Je t'allume le basto. J'ai l'impression que mon perso vient d'hurler à la mort là. Masto, tiens, hop, pop, j'ai raté, voilà, j'ai tiré dessus. Une seule fois suffit, hein, mais faut savoir viser, ce qui n'est pas tellement mon cas en ce moment. Hop, je saute. Oh, et Superman, vous avez vu ça? Tac. Donc là, par contre, j'ai... Normalement, ça c'est censé s'ouvrir, vous voyez? Bah, ça s'ouvre pas. Pourquoi tu m'as réanimé? Oui, parce que là, j'aimais pas trop quand tu restes. D'accord. C'est pas cool, j'étais vraiment mis. Là, tu sais combien elle coûte ou pas? Bah, elle doit coûter, je sais pas, mais elle doit coûter. D'accord, c'est un certain prix. Bah, je sais pas, on va aller voir ça. Oh, il y a du feu de. Les poissons doublés! Ouais, je sais. Combien coûte? Jean! 1500. Ah, c'est pas moi. 1500, moi! Fallait être buté! Oh, autant que ce soit moi qui passe! Bah, tiens, on va. Vas-y, c'est bon, on a les 1500. Bah, moi aussi. Tac, allez hop. Donc ici, pareil, il faut la clé du gardien qui nous permet d'atteindre un objet là-bas en vert. Les objets en vert, je pense que les objets en vert, je viens de découvrir un truc, c'est pour l'avion. Ouais, bah viens, on va. Encore un truc à activer. C'est pas où déjà. Donc il y a un piège, vous voyez la tourelle là-haut, il y a un sniper dedans qui va gentiment tirer sur tous les zombies en leur mettant que des headshots quand vous activez le piège qui coûte 1000. Comme dans tous les jeux de zombies, j'ai pas ma sauvegarde, mais par contre, faudra que j'en revienne. Bon, masto, bah t'aurais dû prendre. Tu vas s'ouvrir? J'ai pas les fous. Oh, salut, il se barre, il a peur de nous. Non, il va surtout nous attendre en haut. Donc, nacelle qui permet de naviguer, il y en a deux dans la map. Oh, la boîte. Ouais. Bonjour, on a faim. Vous êtes le plan de résistance. Oh, oh. Bon, allez, moi je saute par là, je suis ouf. Aïe, ça pique. Fais pas comme moi. Non, ça, c'est le piège. Porte a besoin du courant. Ok. Y'a pas une petite boîte électrique? Fuck you bitch. Ah si, il est là. Oh, j'ai fait le con. Ah non, vous voyez. Ah, par contre, je sais pas du tout comment on va. Comme ça, vous avez vu? Alors là, par contre, je prends des risques, je sais pas où je vais, j'ai jamais vu cet endroit là. Paf! Allez, on active la porte. Génial. Faut que j'aille me réanimer en grande vitesse. Tac. J'ai ouvert la porte pour aller à la boîte, il me semble. Je sais même pas où t'es. D'accord, en fait j'ai rien activé du tout, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, alors là, c'est bon, je sais où ça va ça. Je suis là mais. Ça te va comme réponse? Eh mais pourquoi j'ai été activé du courant moi? Ah, faut peut-être l'activer par un autre chemin. T'es où mon ami? Bah je sais pas. À côté des cellules. On va pas aller bien loin sans électricité. Ok, là y a un truc à activer. Et là, y a des petits bonus comme ça dans les cellules. Je sais pas du tout comment on fait pour les avoir. Les poissons doublés. En fait, je sais pas comment faire. Je suis comme vous du coup. Ah, c'est bon, je t'ai retrouvé. J'essaye de survivre. Attends, je vais aller activer un truc à l'autre bout. Tu couvres mon cadavre. Vas-y. Je veux pas qu'il mange. Empêche-les. Alors là, moi j'avance en mode Rambo, je les électrocute, tac, je ne pas. Je sais pas ce que j'ai activé. Oh oh, c'est moi, il y a le gros maton. Ouais, il y a le gros maton. Alors lui, j'ai lui claqué une décharge, il a pas apprécié. Il a disparu. Il a...
chose. Je me réanime. J'arrive pas à me réanimer. Je bouge trop vite. J'ai pas un mastodonte, moi je suis bloqué. Munitions au max. On nous a fait le plein, les gars. Adieu. Survie, mec. Survie. Oh, tu t'es bloqué là, normalement. Non. Oh là 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 là, tu vas te faire manger. Oh la vache. C'est bon, oh, ce qui descend. Ouais, bah, t'as encore du boulot, j'espère qu'il te reste des balles. Non, mais j'ai une bombe. Bon, bah, viens me réanimer alors. Attends. Au secours. Allez, au secours. Au secours. Vite, la manche recommence. Je vais survivre, monseigneur. Par contre, je sais pas ce que j'ai activé là-bas, c'est ça qui me chagrine. J'ai activé quoi? Ah, j'ai ouvert la cellule et on a dû rentabiliser ces balles. Ah, putain, ouais, t'aurais pu me laisser recharger. Ah ouais, mais j'avais pas envie. Par contre, faut pas rester là parce qu'on va juste se faire dérouiller. Oh la vache. Par contre, c'est fermé, faut activer l'électricité, mais j'ai été dans le couloir, je comprends pas. J'ai activé la cellule. Ça va pas marcher en bas. Ouais, vas-y, bah ben, par en bas, on va aller rejoindre Mastelon. Par contre, il y a un max de portes ouvertes. J'en ai ouvert une, c'est déjà pas mal. Ouais, nous doit foudroyer ce machin. Chaîne, alors là, il y a un. Des fois, pour savoir s'affirmer. Je sais pas où il est, le truc du boucher. Ah oui, le truc du boucher, c'est plus loin. Ah, ah ouais, il y a encore une porte à ouvrir, c'est celle-là qu'il faut ouvrir. Là. La Thompson, c'est sûr qu'ils sont. Là, il y a encore une pièce, il me semble. Je sais pas comment on va la chercher. Ça y est, j'ai compris. Pour l'avoir, je crois qu'il faut activer les gros moteurs là qu'on avait vu en bas. Et quand t'actives les gros moteurs, ça te permet de connaître quelque chose. Ah oh oh, Margaret, t'as fait quoi là? Bah, ça arrive par derrière, il faut se barrer. Tu l'as même dit toi tout à l'heure. Non mais je me suis fait bloquer. Oh, c'est un truc de ouf, on se prend dans un truc. Il y a 5-6. Il n'y a rien. Ouais, te plains pas, j'ai un TD. Allez, survie. Fais gaffe, il y en a un derrière toi. Il risque de te bouffer le. Oh, il est mort. Les bonnes nuits, toi. Fais pas le fou. Je suis un dingue dans ma tête. Ok, il y a des inscriptions sur le mur à la mode satanique. Clé du gardien. Mm-hmm. D'accord. Mini fusil. Mm-hmm. D'accord. Tu te souviens de là où on est, Mac Kekette? Ouais, ouais. Tu peux m'ouvrir une grande porte que j'aille acheter Masto? Attends, je suis perdu, moi. Ah, ah si, c'est cool. Non, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Celle-là, on est direct à Masto. Qui te coûte une blinde. Laisse-moi mettre des planches. Il manque des points. Oh, t'as chier. Il m'a laissé une planche, le gars. Y'a pas un petit zombie, là? Oh, oh, bonjour. Oh, c'est chiant. On reprend la nacelle ou quoi? C'est chiant, c'est chiant. Je sais pas, j'ai pas Masto. Vas-y, si, t'as pas Masto? Ben non, j'ai pas eu assez de points, tu m'as pris toutes les planches. Y'a bien un zombie qui va montrer sa tronche là. Bah ben là, tu peux remettre des planches là. Mais vas-y, non. Là. Ah si, merde. Hop, Masto acheté. Bon, qui c'est qui a fait cette map, ça risque d'être assez. Wouhou, je veux savoir. Dans cette map, pour lui, ça risque d'être assez tout franchement. C'est à toi de l'activer, j'ai pas le temps. Bon, laisse-moi du point quand même. Non, d'accord. Si je me souviens bien, Masto, pas Masto, la boîte plutôt. Je crois qu'il faut passer par. Allez dans la porte que j'arrive pas à ouvrir. Bah moi, j'ai pas ouvert de courant quand j'avais été à la boîte. Bah vas-y, bah je te suis. Ah mais effectivement, c'est vrai, il y a ce passage là, par contre, statue, je connais pas du tout. Ferme, c'est pas par là. Vas-y, je te suis. Tu me disais bien. Oh, oh. Ah voilà, c'est par là. D'accord, bah vous voyez, bah, direct, il connaît mieux. Ah non. Bonjour. Ah non, à chaque partie, elle change de. Mais non, elle est de l'autre côté, la boîte. À chaque partie, elle change d'endroit, en fait. Ok, il y a encore un truc à comprendre. Par contre, là, on va juste se faire défoncer. Maman, ça vient dans mon dos. Je vois rien, c'est un truc de ouf. Ok, là, il y a la claymore. Rétablir les attaques.
Ok, là c'est la merde. C'est clairement la merde. Il y a un piège à tirer, j'ai appuyé. Mais où sont passés les autres? Eh, hey, je suis tout seul là. Je pense que j'ai les points. Il y a Mastolon qui a la munition. Paf. Quelqu'un sait à quoi ça sert? Activer le piège. Je sais pas ce que j'ai activé. Putain, c'est quoi le piège que t'as activé? Je suis mort à cause du piège. Ah, c'est cool. Je sais pas non plus ce que c'est le piège. J'ai visé les passages dans les murs. Ce que je sais, c'est que t'es dans la merde. Ok, c'est une pluie d'acide. Il a fait fondre ton cadavre. Arrête de couiner. On dirait un cochon qu'on égorge. Eh, par contre, là, on est juste dans un cul-de-sac. Je viens de réaliser. Moi, j'aimerais bien retourner à Mosto. Et on va chercher la boîte aussi. Parce que... Tiens. Je viens d'ouvrir un truc. Ok, la porte qui a besoin du courant, je viens de la trouver. Là, il y a encore un atout. D'accord, il y a des atouts partout dans la marque. Ok, là on est dans le caca fouillé, mon ami. Ah, j'ai un truc activé. Oh, tu penses tenir? Tu vas tenir. T'as pas le choix. J'ai pas Masto, hein, je te rappelle. T'es dans la merde, là. Attends, c'est là. Tac. Tin, 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 tin. Ouais, c'est ça, mission Alcatraz, la paf. Et je paf. Mais merde, j'ai foiré. Et je perds du temps. Us. Alors, le petit truc activé, paf, j'ai mis la décharge. Il y a une porte. Je sais pas ce que j'ai activé, mais je l'ai activé. Bon, bah, c'est bon, là, j'ai activé la même porte. Vas-y, petit zombie. Ne t'es pas au courant, mais ici, c'est moi le boss. Réanime-toi, je te réanime. Ok, c'est la porte de la boucherie. Ok, on a le kit de machin là. Quelqu'un que vous connaissez? On descend plutôt là sur... Vas-y, 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 je te suis. On est des cracks. Oh, bien joué. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ok. Pourvu une porte. C'est quoi ça? Attends, je viens de découvrir un truc encore. Eh, hey, je réalise que ça se tombe, j'ai perdu Mastodonte. Bah, moi je vais la racheter. Je vais au chemin pour la racheter. Ouais, en gros, non, je l'ai pas perdu. Donc c'est bon, quand tu transformes un spectre toi-même, tu perds pas Masto. Ok, donc là, sur la tête du gardien, toi, tu dégages de mon passage. Oh putain. Bon, on va voir si on peut faire des tours dans cette boucherie infernale de la mort. My gosh. Ok, je me suis fait arracher. Viens pas me sauver. Sauve ta peau. Je te demande l'impossible là. Vous voyez quand même, on apprend pas mal de choses là. On découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Faudrait que on trouve la clé quand même. Ça pourrait être sympa d'avoir cette clé. Faut qu'on retourne à la salle du tout début qu'on essaye d'ouvrir par l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À peu près, ouais. Parce que tu peux partir de deux sens. Faut qu'on essaie de partir de l'autre sens. Ça, c'est un film d'horreur. Arrêtez pour un rendez. Fais gaffe, t'as du monde qui t'arrive dessus. C'était toi ou moi? Ce serait bien que tu chien s'ouvre. Ah bah génial. Eh, franchement, tes Yorkshire, ils sont super pratiques. Ouais. Tes Yorkshire. Ouh! Dis-moi que t'as Masto. T'as Masto, c'est cool. Tu t'es fait carotte là ou vrai? Hein? Ah ouais, tu t'es fait carotte. T'es d'un schmerde, mon pote. T'es un schmerde. Un schmerde, un schmerde. Oh là 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 là. T'as vu tout le monde là, c'est pour ça. C'est pour ça, vaut mieux la faire à plusieurs. Deux conseillers de faire cette map à deux. Allez, là, Clémar. Hop. Oh, t'as fait le con là. Non, pas par là, c'est un cul-de-sac. Non, faut pas y aller. Tu remontes tout en haut là. Ouais, bah de toute façon, je vais me relever. Merde, en plus, j'ai envie de m'avancer maintenant. Un survie, c'est tout ce que je te demande. Alcatraz, un endroit où faut vraiment pas y aller. Oh, les carotteux, ils tombent plus par haut. T'as encore ta recharge de spectre au cas où? Au pire, tu finis la manche en spectre hein, si t'es mort.
Bon, la machine à laver, à mon avis, c'est pour améliorer, c'est que derrière. Mais je sais pas où elle est, la clé. Ça se tombe, la clé, pour l'avoir, faut suivre un chemin, là, des spectres, et... Ah, j'ai ouvert une passerelle tout à l'heure, d'accord. C'est ça que j'ai ouvert, ok. C'est la salle du début. C'est là que je disais qu'il fallait revenir. T'es dans la toute première salle. Eh, j'ai l'impression qu'il y a quelques traces qui est tout seul. Eh, il y a un logo là-haut. C'est pas le con, c'est pas le con. Ah, c'est le con. Pourquoi tu gardes pas dans leur tête? Je te oublie, tiens, à côté. Non, bah, là, c'est le temps de l'écran. Vous avez pas compris? Je lâcherai pas le morceau. Pinaise, cours! C'est comme si quelqu'un nous avait... Ok, c'est cool. Je sais pas quoi faire. Là, il y a encore la tête qui va s'allumer. On va à la boîte, à la masto. Moi, je vais à masto. Ouais. Bouge, laisse-moi passer d'abord. Moi, j'ai pas de vie. Je suis qu'une pauvre âme sans défense. Aïe. Au secours, ils veulent me... Oh putain, merde, on est couillonné. T'es remonté par en bas. J'ai presque plus de balles. Mais on peut pas l'appeler. Est-ce qu'on peut l'appeler? Ah bah appelle-le. Non. My gosh, je sens que ça va être la fin. Mes amis, j'espère que ce zombie vous aura plu. Si c'est la fin, tant pis, c'est pas la fin. Appelez Nacelle. Oh merde, elle vient sur moi là. C'est quoi ce truc? Je sais même pas comment j'ai fait. Arrache-les, arrache. Arrache, arrache, je vais mourir. Je suis mort. Ok. Pourquoi je suis bloqué? Attends, je vais tenter d'aller dans la nacelle. Oh merde. Bon mes amis, j'espère que ce petit zombie, vraiment petit zombie, vous aura plu. L'air de rien, ça fait quand même 22 minutes pour atteindre cette manche là. On a eu un objet, on sait pas trop comment. J'espère que vous aurez appris le plus de trucs possible. Aujourd'hui dimanche, demain lundi. Demain je retourne. Je vous fais une nouvelle vidéo zombie. Ce coup-ci, ce sera la découverte du mode lutte sur la map Alcatraz, toujours en compagnie de monsieur McGarrett. Et sur ce, je vous dis salut, à la prochaine. Portez-vous bien, McGarrett. Je te laisse le mot de la fin, je sais que t'aimes ça. Ouais, merci. Ben, à plus tard et salut.